maintenant avec Gaudum. C'est déjà l'esprit de Noël qui s'installe. Déjà. Là, je suis dans un grand hypermarché carrément, hein. Un centre commercial pour ainsi dire. Donc voilà, c'est parti. Hey yo, salutations à toi, family. En espérant que tu t'es porté bien. Eh ben, écoutez, moi ça va très bien, à merveille d'ailleurs. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour essayer un tout petit peu également de faire quelques courses, hein. C'est, je dirais, un léger vlog, de rien du tout carrément, où je passerai pratiquement, on va dire, une dizaine de minutes avec vous tranquille, hein. J'irai dans tel ou tel autre magasin carrément et je parlerai avec telle autre personne, bien sûr en russe, hein. Je vous mettrai, on va dire, la traduction au bas carrément de la vidéo et puis ce sera intéressant. Bon ben, écoutez, je vous amène au cœur de l'action, let's go, c'est parti. Нормально сделали уже? Сколько? Voilà, family, je suis dans le centre carrément commercial. Hein. Il y a tellement de magasins, de boutiques ici, là. Tout est blanc, tout est beau. J'essaie un tout petit peu de faire ces vlogs, hein, dans un esprit un peu russe. Hein. Je vais parler, je vais dialoguer en russe, bien sûr, avec des personnes qui voudront. Bel et bien, dans le cadre toujours, hein. Voilà, quoi, de débuter cette fameuse série d'interviews qui interviendra certainement la semaine sur prochaine. Moi, je le débite en avance. Mais bon, normalement, c'est déjà la semaine sur prochaine. J'ai fait un petit sondage rapidement, quoi. Donc voilà, vous m'accompagnez partout, j'irai. Donc voilà, c'est parti, let's go. Je vous amène au cœur de l'action, comme je ne cesse de le dire. Диктофон там. О, это вам продавцам в красном сетском, да. Ага. Я могу блендер, мясорубку, кофемашину продать. А, они понятно. Пока заняты, если кого-то свободно найдете, все это вам скажу. Хорошо. Здрасте. Вы сможете меня ориентировать на диктофон? Я не знаю, какие лучше на использование. Вот, я почти блогер, поэтому хочется вот оружие. Блогер? Да. Диктофон. У нас поэтому... один вид только в магазине выставлен. Ага. Вообще больше выбор на сайте. Ага. Больше выбор? На сайте большой выбор. А который уже на... и там есть? Там только один вид. Один? За тысяч... Ну, такой не очень. Вы сможете мне вот показать это? На сайте вы можете сами посмотреть. Я могу показать тот, который у нас один только стоит. Ага. Хорошо, без проблем. А? Сейчас, минутку, ладно? Хорошо, жду. Écoutez, family, c'est le Black Friday aujourd'hui. Le Black Friday, raison pour laquelle il y a une forte réduction. Je me suis dit pourquoi ne pas venir et puis m'approvisionner, hein, en électronique surtout. Et voir un peu combien coûte le dictaphone, hein, de caméra, de micro et tout, hein. Donc je vous reviens certainement tout de suite après. Не обратите внимание на видео. Я не знаю. Себя снимаю, когда везде, куда хожу. Себя снимаю. Вообще не мешаю? Ну, мало, самим-то. Вы же разговариваете. Да? Ну, нормально же. Я так постоянно, я себя снимаю. За Димутин выезжаю, поэтому у вас столько спрошу. Это все эти? Да. Как его? Это сколько стоит это? Олимпус. Сколько стоит? Сколько стоит? Угу. Я еще написано, это хорошая такая. Так, диктофон для каких целей нужен? Как будете использовать? Ну, для интервью такой. На улице могу, да, задавать вот вопрос. Поэтому хочется. Но на место это, конечно, лучше использовать микрофон. Но я выбираю диктофон, потому что копировать тоже и сохраняет надолго. Я не знаю просто, какой лучше, или диктофон, или микрофон. У вас несколько микрофонов тоже есть здесь? В наличии, получается, такие микрофоны только для бытового использования, там, для караоке. А если типа этих? Для караоке не пойдет. Они, ну, тоже есть под заказ на сайте, большой выбор. Угу. У вас есть даже ютубер же? Ну. Да. Ну, я покажу вам, у меня есть канал там. Как называется? Эви Мавети. Эви? Мавети. Эви Мавети? Да. Вот у меня плюс один подписчиков даже. Привились.
Et puis, je m'en vais, tiens, de là. Bon, tu es à mon canal. Bon, ça a dit, oh, on s'en a pas de l'échec, hein? Mm-hmm. Одна тысяча? Mm-hmm. 1220, 27. Несколько тоже видео на русском есть там. Это в Казани вы записываете? Конечно, конечно. Я здесь 3 года уже живу. Да. А сами откуда? Из Джамайка. Джамайка? Да. Болт, болт. Угу. Истанбул, да. Ну, вам спасибо. Я за что. Угу. Удачи. До свидания. До свидания. Eh ben, famille, le fait pour moi d'avoir un tout petit peu menti à ces gars-là, hein, de là d'où je viens, parce qu'ils sont trop curieux, au fait. Hein. C'est le même question qui vont se répéter, hein, avec le gens qui aimeraient bien, on va dire, être interviewé par moi. Il y a certaines questions qui vont certainement se répéter. Hein. Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais ici? Enfin, ce sont ces genres de questions qu'on croise, qu'on rencontre tout moment. Zarassia, можно помочь, пожалуйста? Не обратите внимание вот на видео. Я ищу или диктофон, или микрофон. Я не знаю, вот, хороший. Для интервью задавать вот вопросы. Таких хороших нет, сразу говорю. Нет? Нет. А у вас надо. Диктофон тоже нет здесь? Диктофонов нет тоже. Понятненько. Хорошо. Даже на сайте тоже нет? На сайте есть, можете заказать. Ага. Например, на сколько стоит будет? Это порядка 2,5, может быть. 2,5, о, нормально. Хорошо, а у вас название в этом сайте какой? dnsshop.com. DNS? Да, dnsshop. .ru? .ru, да. Либо .com идет, там видит. Вот. Ладно, хорошо. Вам спасибо тогда. Eh ben, je vous mettrai la traduction carrément, hein, comme je vous l'ai promis, bien sûr. Hein, je vous mettrai la traduction en bas de cette vidéo. Et c'est ce qui sera bon, en fait. Hein. Donc, on poursuit ces mini-périples tranquillement et puis ce sera bon. Allez, c'est parti. Il y a eu une personne qui m'a posé même la question de savoir combien coûtait, on va dire, le vêtement. Eh ben, je vous dis d'emblée, hein, je ne suis pas en même, hein, de faire, on va dire, hein, une petite étude là-dessus, hein. Mais je vous dirai, je vous montrerai un tout petit peu et je vous dirai quoi sur le coup. Donc voilà quoi, là je me rends à Zara et je verrai un peu voilà quoi, combien coûte tel ou tel autre article, puisque c'est là, il y a une forte réduction, hein, pendant ces temps-ci carrément, hein, pour le Black Friday carrément. Donc comme c'est déjà la fin de l'année, il y a une forte réduction un peu partout, donc voilà. Donc il y a un peu de tout ici, devant, enfin, il y a H&M, il y a Bershka et il y a Zara carrément, donc voilà. Pour ceux-là qui m'ont posé la question concernant quelques articles, hein, sachez que là je suis chez Zara, je vais un peu voir, hein. Hein, voilà, voyez-vous, le prix et tout et tout. Ah, ça là, ça revient carrément à 3000 roubles en dollars, soit en euros, c'est pratiquement 45 €, hein, 45 €, un jeans normal. La qualité n'est pas mal non plus, hein. Donc voyez-vous, il y a tellement des variantes ici là, et c'est ce qui est bien en fait. Il y a tellement d'articles également assez intéressants d'ailleurs, assez intéressants. Normalement, je passais une commande, hein, je passais une commande en ligne il y a cela 2 semaines pour des jeans carrément, puisque le mesure qu'il y a ici, soit le taille qu'il y a ici là, ne me convient pas exactement. Raison pour laquelle je le fais en ligne. Et jusque là, ils m'ont appelé aujourd'hui là pour me dire que je devais récupérer 2-3 commandes que j'ai passées. Mais bon, hélas, hein, cela n'a pas été, on va dire, concluant, puisque j'ai envie de dire, hein, ma taille à moi n'y est toujours pas. Ici, là, le maximum, c'est 48, voyez-vous. Alors que moi, là, ma taille, c'est 58. Donc, plus 10, carrément, de la taille qu'il y a ici. Tout est un peu slim, donc voilà. Là, ce sont de parfums également. C'est bien, c'est beau. Ça revient carrément à 25 $. Hein, 25 $. Je crois 25 $. Ouais. En dollars, 25. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup.
Ben écoutez, family, c'est presque la fermeture déjà, hein, puisque il est presque 22h. Tellement que j'ai eu une journée un peu houleuse, un peu chargée, raison pour laquelle je me suis un tout petit peu attardé à pouvoir venir, hein, essayer un peu, voilà quoi, ce que j'avais commandé, mais hélas, ça n'a pas donné. Je vais devoir encore patienter ou soit aller voir ailleurs. Hein. Et puis voilà. Zdravstvo. A u vas čorne pjatnice nije načinjalica? Uže načinjalice ili njec? No, vopće, na sajtu možete posmatrati aktualne cene. Da, uže je. I modeli skitke. A, ladno, hrašo. Vam spasivo. Là, ça revient carrément à 20 dollars. Hein. 20 dollars, 17 euros, je pense. 17, 16 euros. Donc voilà. Des bonnets pour cette période d'hiver. De pantalons. Voilà. À 25 dollars. Voyez-vous. De chemises. Pareil carrément. Le prix est le même. C'est la bonne matière, c'est la bonne cam. Pour ceux-là qui se posent des questions concernant, on va dire, le prix de vêtements, hein, ne vous faites même pas du mauvais sang. Pourquoi? Parce que ici, là, nous achetons le vêtement par période et par saison, on va dire. Tellement que c'est la période d'hiver, hein, tout habit hiver et tout et tout. C'est très cher, ça revient à deux fois, soit à trois fois, voire son prix. Non. Et quelques habits de l'été, on va dire, hein, t-shirts, chemises et tout revient moins cher. Alors, ce qu'on prévoit, nous, à chaque fois, c'est d'acheter les habits de l'été pendant l'hiver et d'acheter les habits de l'hiver pendant l'été. Donc, c'est un peu ça. Et pour essayer un peu de rester dans la limite, on va dire, du possible, hein, et de demeurer économe, hein, pour ne pas assez dépenser, en fait. Apparemment, je suis le seul client, hein, puisqu'il n'y a vraiment personne. Il n'y a personne. Je suis le seul. Donc voilà, je pense que tout est bon. Hein. Je vais devoir y aller. Voilà, c'est l'esprit de Noël. Hein. C'est vraiment l'esprit de Noël. Hein. Il y a quelques décorations déjà. On nage, on va dire. Hein. Dans la période, hein, qui précède le festivité, la fameuse période de nativité, donc voilà. Wow, c'est beau, hein? Je me retrouve dans le rayon de chocolat. Tellement de qualité ici, tellement de, on va dire, hein, tellement de sortes de chocolat ici là, surtout pour la période, hein, de festivités, c'est toujours, on va dire, sympathique d'offrir un paquet de chocolat à la personne qu'on aime, surtout c'est qui est bien, on va dire. Écoutez, il y a presque plus personne, hein. Il y a presque plus personne carrément, hein. Donc c'est qui est bien d'ailleurs. C'est bon, hein, c'est vaste, hein. C'est vaste. Le truc ferme carrément dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Le hypermarché ferme dans 5 minutes. C'est que moi, je me suis acheté, c'est simplement l'eau. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ça me fait marrer. Je suis dans le rayon également alcool et tout. Hein. Ce qui n'est pas assez bon de passer à la caméra. Mais je joue carte sur table avec vous, hein, carrément. Donc, faut pas m'en tenir rigueur, hein, ce qui est normal. Voilà mes courses, carrément, hein, c'est que j'ai pu acheter. Hein. Oh, я забыл про это. Сюда не вставать. До скольки уже обычно работа закрывается? До 10. До 10? Не-не-не, это не... C'est déjà la fermeture, carrément, hein. C'est la fermeture de tout. Bon, quoi.
Hélas, 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 c'est déjà off. Mais ce n'est pas bien grave. Je vous reviendrai la semaine prochaine, sur la semaine sur prochaine, déjà avec des interviews. D'ailleurs, vous remarquerez, hein, deux, trois personnes hein, à qui je me suis adressé, hein, n'ont pas voulu, on va dire, passer à la caméra. Enfin, je n'ai pas voulu également les déranger, hein, puisque je leur ai dit de ne pas prêter attention, on va dire, de parler normalement. Et puis voilà. Parce que généralement, quand tu braques une caméra devant une personne, c'est un tout petit peu comme une petite arme. La personne commence un tout petit peu à trembloter, soit à perdre son lexique, hein, ce qui est un peu normal, puisque ce n'est pas, on va dire, une situation correcte aussi. Mais si tu t'es pas habitué, on va dire, à parler devant la caméra, c'est toujours, alors toujours un problème en fait. Mais sinon, ça va. Sinon, ça va. Je vous promets déjà de vous revenir certainement la semaine sur prochaine pour la série 2 interviews normales. Donc voilà. Voyez-vous, je fais la fermeture carrément hein, avec certaines personnes. Mais bon, ce n'est pas bien grave. L'extinction complète de feu. That's the dernier. J'ai carrément effectué la fermeture, on va dire, hein, de ces supermarchés carrément, hein, puisque il est déjà 22h10 minutes hein, et ça ferme à 22h juste carrément. C'est ce qui est bien en fait, hein, c'est ce qui est bien. De toutes les façons, je m'y attendais un tout petit peu. Bon ben, j'ai pu me ravitailler en eau, hein, et en deux ou trois boîtes de conserve. Voilà quoi, c'est ce qui est bien. Et j'en ai profité, on va dire, pour réaliser ces petits vlogs, hein, pour essayer de faire comprendre simplement à deux, trois personnes qui m'ont posé la question concernant le vêtement, concernant tout ce qui se passe hein, autour de la mode et tout et tout. Bon, j'en ai pas longuement parlé, mais un bref passage, on va dire, hein, chez Zara, également dans deux, trois magasin carrément hein, pour la recherche hein, déjà de matériel me permettant hein, pour réaliser des interviews. Donc voilà, pour déjà la semaine sur prochaine. Donc voilà, je ne cesse de me répéter pour ça parce que ça me tient réellement à cœur et c'est toujours dans le but de vous aider vous. Donc voilà quoi. Allez. Hey yo family, on va devoir s'arrêter là en espérant que ces petits vlogs vous auraient fait vraiment, alors vraiment. Oh, pourquoi j'ai dit toujours ça? Plaisir carrément. On se retrouve dans une prochaine vidéo, soit dans un prochain live qui arrivera certainement donc très bientôt. Wow! Merde! Mais. Wow. J'ai presque frôlé un accident là. Hein? Ce n'est pas croyable quoi. Wow. Eh ben, pendant cette période, on fait plus attention hein, puisqu'il y a eu, on va dire, un accident. Tragique, hein. Enfin, les accidents sont toujours tragiques, bien sûr, mais ça a ôté la vie hein, à une jeune fille carrément de 23 ans hier. Bon, je n'ai pas été témoin direct, mais là où je m'étais moi, pendant que je vous voilà quoi, je passais avec vous un moment, on va dire, dans mes va-et-vient, hein, là où je m'étais pour attendre le bus. Et par la suite, le tramway, juste après que j'ai pris mon bus, il y a eu un accident derrière moi. Donc, j'étais vraiment protégé et chanceux à la fois. Donc, que cette fille, son âme, pose vraiment en paix carrément. Parce que pendant cette période, hein, les automobilistes, hein, j'ai envie de dire, hein, roule comme si c'était la meilleure période carrément, alors qu'il y a plus de dangers pendant l'hiver, hein, la chaussée est beaucoup plus glissante, j'ai envie de dire, et il y a plus du verglas, mais bon, il y a tellement d'inconscients, on va dire, hein, au devant de l'air volant, de l'air bolide, ils se croient, on va dire, hein, dans un dessin animé, soit dans un film, et c'est un peu dommage, c'est un peu malheureux, mais c'est comme ça, donc voilà. Bon ben, on se donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien, moi c'est Vimao. Allez, ciao!